tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, parce que tu as été invité, because you have been invited, ou parce que le Saint-Esprit s'est révélé à toi dans une vision, or maybe the Holy Spirit revealed himself to you in a vision, et t'a dit de venir ici, and told you to come here, lève ta main, raise your hand. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Stand on your feet, please. Ne soyez pas étonnés, vous ne devrez pas être nombreux. You must not be astonished that you are not numerous. Dieu veut faire une œuvre dans ta vie. God would like to do a work in your life. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Stand on your feet, please. Nous allons vous bénir. We are going to bless you. Le but de Dieu va s'accomplir dans vos vies. The purpose of God will be accomplished in your life. Si le Seigneur vous a fait venir ici, if the Lord took you here, où les dirigeants sont formés pour son œuvre, where the leaders are trained for his regardez work. Regardez vous-même. Vous êtes. Regardez comment les gens sont assis. Look around how people are sitting. Regardez derrière. Vous look back. Look around. Alors pose-toi la question. Je suis venu faire quoi ici? Ask yourself the question. What have I come to do here? Tu es venu donner ta vie à Jésus. You came to give your life to Jesus. Tu es venu te réconcilier avec Jésus. You came to reconcile with Jesus. Peut-être que tu ne le savais pas. Maybe you didn't know. Quand Dieu appelle, when God calls, il te prend d'un milieu. He takes you from a milieu. Il te place dans un autre milieu. And he takes you into another environment. Dieu ne donne pas les religions aux gens. God does not give religions to people. Il dit sortez du milieu d'eux. He said, come out from their midst. S'il veut que tu sois là, if you want, he wants you to be here. Il veut que tu donnes ta vie à Jésus. He wants you to give your life to Jesus. Il veut que tu entendes des choses que tu n'as pas encore entendues. He wants you to hear things that you have never heard before. Il veut que tu prennes le type d'engagement que tu n'as jamais pris. He wants you to take the kind of commitment that you have never taken before. Toi qui penses, you who thinks, qu'on ne peut pas laisser le monde, that we cannot abandon the world, Jésus te convainc ce soir, Jesus convinces you tonight, qu'on peut laisser le monde, that we can abandon the world, et servir Jésus, and serve Jesus. Toi qui penses, you who thinks, qu'un jeune homme, that a young man, qu'une jeune fille, a young lady, ne peut pas laisser la masturbation, cannot abandon masturbation, Jésus t'amène, Jesus takes pour que tu crois, here for you to believe, que cela est possible, that this is possible, et que tu lui donnes ta vie, and that you give him your life, que tu sois sauvé, and that for you to be saved. Toi qui penses, you who thinks, qu'on ne peut pas vivre, that we cannot live, sans mentir, without lying, Jésus t'amène, Jesus takes you pour here, que tu crois, for you to believe, que tu peux vivre, that you can live, sans mentir, without lying, et que tu sois sauvé, for you to be saved. Toi qui dis, you who say, que c'est la même chose, that is the same thing, c'est la même chose, it's the same thing, que toutes les religions, that we, like all the other religions, sont la même chose, are the same things. Jésus t'amène. Jesus takes you pour here que tu crois. For you to believe que Jésus n'est pas une religion. That Jesus is not a religion. Jésus, Jesus, est ton sauveur et ton Seigneur. Is your savior and your Lord. Il t'appelle à une relation personnelle avec lui. He calls you to a personal relation with him. Si tu es d'accord. If you agree. Si tu veux. If you want. Donner ta vie to give your life sincèrement à Jésus, sincerely ou to Jesus, renouveler ta consécration, or renew your consecration d'une nouvelle manière, in a new way, comme tu ne l'as jamais imaginé, as you have never imagined si it tu before, veux laisser le Saint-Esprit, if you want to allow the Holy Spirit, achever dans ta vie, to complete in your life, l'œuvre que Dieu a commencé, the work that the Lord started, lève ta main, raise your hand. Venez ici, on va vous. Come on the stage here. Là, vous venez ici. Now, come here. Acclamation à Jésus-Christ. Ovations to Jesus. Si tu es assis, if you are sitting there, tu réalises, and you realize, que tu n'as jamais fait ce qu'ils sont en train de faire, that you have never done what you are doing. Ton cœur te dit, your heart tells you, tu n'as jamais fait, you have never done, ce que les autres sont en train de what faire, the others are doing. Lève-toi, tu viens seulement. Rise up and come here.
Si tu es assis, if you are sitting there, en haut ou bien en bas, upstairs or downstairs, si le Saint-Esprit te dit, if the Holy Spirit tells tu n'as jamais fait, you have never done, ce qu'ils sont en train de faire, what they are doing, lève-toi, tu viens. Rise up and come. Si tu es assis, if you are sitting there, et le Saint-Esprit te dit, and the Holy Spirit tells you, voici, behold, ce que tu as toujours désiré. This is what we have ever desired. Voici, this is ce que tu as toujours recherché. What we have ever sought. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. C'est un jour spécial. It's a special day. Tu es assis. You are sitting there. Tu réalises. And you realize que le Saint-Esprit est en train de faire that the Holy Spirit is doing dans ton cœur in your heart ce que tu as toujours désiré. What you have ever desired. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Si tu es assis, if you are sitting there, peut-être tu appartiens à une autre communauté. Maybe you belong to another community. Mais le Saint-Esprit te dit, and the Holy Spirit tells voici here ce que tu as toujours recherché. Is what you have always sought. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Nous allons prier. We are going to pray. Si tu dois venir, lève-toi, tu viens. If you have to come, please rise up and come. Si tu es assis, if you are sitting there, et tu es enchaîné par un péché, and you are enslaved by a sin, avant de venir ce soir, before coming tonight, tu as péché, you sinned. Et quand tu vas sortir d'ici, and when you go out from here, tu vas pécher. You are going to sin. Quand tu es seul, when you are alone, tu pleures. You cry. Tu sais que tu as besoin de salut. And you know that you need salvation. Mais tu es de la CMCI. But you are of CMFI. Et tu te poses la question. You ask yourself the question. Et mon cas. How about my case? Si tu n'as jamais abandonné le péché. If you have never abandoned sin. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Je suis venu avec ma petite famille. J'aimerais qu'elle me rejoigne. Fauzia et puis sa maman, Diane. S'il vous plaît, venez. Il ne veut pas être sauvé seul. He doesn't want to be saved alone. Hallelujah. Praise the Lord. Il a bien commencé. He has started well. Il ne veut pas le salut seul. He doesn't want salvation alone. Il est là avec sa petite famille. He said he's here with his little family. Venez. Come. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. Voilà cette petite famille. Here is his little family. Mais c'est une grande famille. But it's a great family. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. Qui d'autre a sa petite famille dans la salle? Who else has his little family in the hall? Tendons nos mains et bénissons-les. Let us stretch our hand and bless them. Vous vous levez vos mains. You raise your hands. Vous demandez pardon à Dieu. And you ask God to forgive you. Dis, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Say, oh Lord Jesus, forgive me, forgive me. Je te donne ma vie, je te donne I ma give vie. You my life, I give you my life. Je te donne ma vie, je te donne I ma give vie. You my life, I give you my life. Pardon tous mes péchés. Forgive all my sins. En parole, en pensée, en in action. In word, in thought, tous and in péchés, action. Tous mes péchés, all my sins, all my sins. Demandons qu'il guérisse de toute maladie. Let us pray that they get healed from any sickness. Que tous les démons qui les suivaient s'en aillent. That all the demons that follow them get far away, depart from them. Que le ciel soit ouvert au-dessus d'eux. Let heaven be opened above them. Le Seigneur nous a ordonné. The Lord has commanded us d'enseigner à toute l'Église. To teach
the entire church le ministère de délivrance. The ministry of deliverance. Et il m'a révélé que l'enseignement principal, and he revealed to me that the main teaching, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Is the gospel of Jesus Christ. Si tu maîtrises l'évangile de Jésus, if you master the gospel of Jesus, tu as toute la connaissance pour tout le ministère de délivrance. You possess all the knowledge for the ministry of deliverance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. And this is what we are doing here. Quand tu maîtrises, when you master, le plan éternel de Dieu, the eternal plan of God, qui est de recréer toutes choses en Jésus-Christ, that is to create all things in Jesus, jusqu'au règne éternel avec lui, up to the everlasting reign with him. Quand tu connais les volontés relatives à ce dessein éternel de Dieu, when you know the wills that are relevant to that eternal purpose of God, quand tu connais l'œuvre de Jésus, when you know the work of Jesus, dans le monde et dans ta vie, in the world and in your life, le diable ne peut pas te tromper. The devil cannot lie to you. He cannot deceive you. Les ouvriers de Satan ne peuvent pas te tromper. The workers of Satan cannot deceive you. Et tu seras un instrument entre les mains de Dieu. And you will be a tool within the hands of God. Quand tu es dans l'ignorance, when you are in ignorance, tu es dans les liens de la mort. You are in the bondage of death. Parce que Dieu a dit, because God said, mon peuple est détruit. My people are destroyed, parce qu'il lui manque la connaissance, because they lack knowledge. Nous sommes en train d'étudier les points de doctrine. We are studying the different points of doctrine, parce que ce sont des opérations qui permettent aux croyants d'agir dans l'église et dans le monde. Because these are operations that allow believers to work in the church and in the world. Même quand tu lis la prophétie de Santa Cruz, even when you read the prophecy of Santa Cruz, quand le frère Zach intercédait, when Brother Zach interceded, pour que Dieu apporte le réveil, for God to bring revival, la première leçon, the first lesson, que le Seigneur donne dans cette prophétie, that the Lord gives us in that prophecy, c'est la marche par la foi, is walking by faith. Sortez tel que vous êtes. Go as you are. Donc, tout est selon la doctrine de Jésus-Christ. So, all is according to the doctrine of Jesus. Même la marche avec Dieu, even walking with God, c'est un point de doctrine, is a point of doctrine. Dieu encadre toutes choses par sa parole. God sustains everything by his word. On ne cherche pas Dieu comme on pense, comme on veut. We do not seek God as we think, as we want. Comme on se l'imagine. As we imagine ourselves. Dieu a tracé des voies pour le chercher. God has set some ways to seek him. Dans l'ancienne alliance, in the old covenant, au temps de la réformation, in a time of reformation, au temps de l'initiation au culte, at the time of initiation to the service, quand il y avait encore des sacrifices, when there were still sacrifices, tous ces rites, all those things, a été régi par des lois claires, were governed by clear laws. Des sacrifices bien déterminés. Well-determined sacrifices. On ne devait même pas offrir n'importe quoi. We could not offer anything. Le type d'animaux qu'il fallait prendre était connu. The type of animal that was to be taken for the sacrifice was known. Son état de santé, its health, state, condition of health, était déterminé par la loi, was determined by the law. Comme nous l'avons dit la semaine passée, as we said last week, le dépouillement est un travail de sanctification porté sur le caractère. Putting off is a work of sanctification
that is oriented toward the character. Porté sur le fait d'enlever à quelqu'un quelque chose d'important. It is about the fact of taking from someone something that is important. Nous avons vu que quand on parle de dépouillement dans la parole de Dieu, we saw that when we talk about putting off in the word of God, il ne s'agit pas surtout du péché. It is not about sin as sin. Quand il s'agit du péché, when sin is concerned, la Bible ne parle pas de se dépouiller. The Bible does not talk about putting off. La Bible parle de se repentir. The Bible talks about repenting. De changer. To change. De se repentir, d'abandonner le péché. The Bible talks about repenting and abandoning sin. Quand on parle de dépouillement, when we talk about putting off, on parle de l'orgueil de l'homme, de ce qui fait sa fierté. It is about the pride of man, that which makes him be proud. De toutes ses vantardises. Anything that brings him to show off. Ce qu'il a. What he possesses. Ses diplômes. His certificates. Ses relations. His relations. Son rang. His rank. Son rang familial. His family rank. Quand on t'enlève ces choses-là, when these things are removed from you, on dit on te dépouille. We say that you are being stripping off. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'on dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. That's why it is said that Jesus stripped himself off. Jésus ne vivait pas dans le péché. Jesus did not live, was not living in sin. Il n'avait pas de péché. He did not have any sin. Mais il était riche. But he was rich. Il était glorieux. He was glorious. Avant de venir dans le monde, before coming in the world, il était assis sur le trône. He was sitting on the throne avec son père. With his father. Il dit dans Jean 17, he said in John 17, il faut qu'il lui donne la gloire qu'il avait. That he should give him the glory that he used to have dans le monde. Before coming in the world. La splendeur. The splendor. Parce que pour venir dans le monde, because to come in the world, il devait se dépouiller pour être comme un homme, comme un simple homme. He was to strip himself off to become like a simple man. Il dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. It is said that there was nothing, he did not possess anything to attract the eyes. Le prophète qui a vu cela, the prophet that saw this, s'est écrié, cried out, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Est-ce que les gens sauront que celui-ci est Dieu? He wanted to say that will people realize that this one is God? Le prophète l'a vu. The prophet saw him. Sans gloire. Who recognized the hand of the Lord? Il voulait. Est-ce que les gens sauront que celui-ci est Dieu? He wanted to say that will people realize that this one is God? Le prophète l'a vu. The prophet saw him. Sans gloire. Without glory. Dans les souffrances. In suffering. Il dit qu'il était comme un agneau. He said that he was like a lamb. Muet devant ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent. Who was mute before those who were shipping him. Il ne revendiquait rien. He did not claim anything. Paul dit de riche qu'il était, il est devenu pauvre à cause de vous. The Bible says that rich as he was, he became poor because of us. C'est ça le dépouillement. This is stripping off. Est-ce que nous sommes ça? Are we together? S'il n'y a pas de dépouillement, if there is no putting off, il est impossible d'être obéissant. It is impossible to be obedient. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1. In 1 Corinthians 11, verse 1. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul says, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Be my imitators as I am of Christ. Et l'apôtre Pierre dit, and Apostle Peter says, 1 Pierre 2, verset 21 à 24.
First Peter 2, verse 21 to 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. You've been called to that because Christ himself also suffered for you so that you can follow in his steps. Donc Jésus a laissé un exemple. So Jesus left an example pour que chacun puisse regarder et faire comme lui. For each one to look and do as him. Et au verset 22, il dit, verse 22, he says, lui qui n'a point commis de péché, he who has never committed any sin, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, and no lie was found in his mouth, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, the one that who was abused but he did not abuse, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. He was ill-treated but he did not threaten, but he put himself within the hands of the one that judges. C'est ça, se dépouiller. This is what we call putting off. Même tes droits, even your rights, tu refuses de les utiliser. You refuse to use them. Dans Isaïe 53. In Isaiah 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Isaiah 53, reading from verse 1 to 3. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised. We did not esteem him. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Il s'était dépouillé. He stripped himself off. Il était insulté. He was abused. Et il ne rendait point d'injure. But he did not abuse. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. In 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Hallelujah. Praise the Lord. Donc nous voyons comment le Fils de Dieu renonce à tous ses droits. We see how the Son of God denies all his rights. À tous ses privilèges, tous les privilèges rattachés à sa gloire, à son règne. All the privileges that are relevant to his glory and to his reign. Il laisse toutes ces choses pour entrer dans le monde. He abandoned all these things to come into the world. L'apôtre Paul invite les croyants à suivre ce modèle. Apostle Paul is inviting believers to follow in his steps. Le vrai service, the true service, commence quand on se dépouille de sa gloire. Start when you strip yourself of your glory. Même quand il faut qu'on nous regarde comme des fous. Even though you are regarded as a madman. Dans Isaïe 53 verset 3, il est dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détournait le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. In Isaiah 53, verse 3, it is written, he's despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Nous n'avons fait de lui aucun cas. We did not esteem him. Au verset 7. Verse 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. He was, so Isaiah 53, verse 7, he was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Il n'a rien revendiqué. He did not claim anything. Pour accepter cette position, to accept, for him to accept this position, il faut une grâce spéciale. You need a special grace. Parce que nous-mêmes, des simples dirigeants, because we ourselves, simple leaders, laisser quelqu'un te critiquer, letting someone to criticize you, ça devient un problème. It becomes a problem. Il y a des dirigeants, si un disciple te critique un peu, il est mort. There are leaders, if a disciple criticizes you a bit, he's dead. Il n'exhorte plus. He never give exhortations. Tu ne l'appelles plus. You no more call him. Parce qu'il t'a, pas même critiqué, parce qu'il a fait quelques observations. Not even criticizing because he made some observations. Ça veut dire que tu ne t'es pas dépouillé. It means that you did not strip yourself. La direction spirituelle. Spiritual leading a besoin des gens qui se sont dépouillés. Needs people who have stripped themselves off. Un jour, one day, pendant la nuit, j'ai traversé un village. During the night, I was crossing a village. Tard dans la nuit. Late in the night. Et quelqu'un parlait au fond d'une maison. Je suis ton aîné mille et mille fois. Someone was speaking from a house. Je suis ton aîné. I am your elder. Mille et mille fois. One and 1,000 times. Il ne faisait que dire la même chose. Je venais de loin. Je suis arrivé là où ils étaient. Je suis parti très loin. Il répétait la même chose. Je suis ton aîné. Mille et mille fois. He kept saying the same thing. When I was coming, I reached the place. I crossed it. And he kept saying the same thing. I am your elder. 1,000 times. Je ne sais pas ce que l'autre murmurait dans la salle, parce que, mais lui, domine, sa voix dominait. Je suis ton aîné mille et mille fois. I don't know what the other one was murmuring, was saying in the house, but his voice dominated. And he kept saying, I am your elder 1,000 times. Et je suis parti, disait la même chose. And I went, he kept saying the same thing. Si l'autre avait été ça, il pouvait dire que j'ai compris, grand frère. If the other one, c'est fini. If the other one had been wise, he could have said, I have understood, my elder brother. Grand frère, j'ai compris, non, c'est fini. Yeah, my elder brother, I have understood, it's okay. Est-ce que nous sommes ensemble? Une autre personne dit, je ne mange pas chez toi. Another one said, I will not eat. In your house. Je ne te permets pas de me parler comme ça. I do not allow you to speak to me like that. Je ne mange pas chez toi. I won't eat in your house. Ça c'est quand on ne sait pas dépouiller de ses privilèges, de ses droits, de son rang, son âge, sa tribu, son village, sa nation. This is when you have not stripped yourself of your rank,
your age, your tribe, your nation. Lisons dans Philippiens. Let us read in Philippians. Commencez au verset 1. Start verse 1. Commençons, mettons verset 1. Let us start verse 1. From verse 1. Jusqu'à 10. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Verset 7. Verse 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, but what things were gained to me, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. These I have counted loss for Christ. Ces choses, c'est quoi? What are these things? Ce sont des acquis. These things that, des atouts, that are advantages. Des choses dont il pouvait se glorifier. Things that he could proud himself of, pride himself of. Circoncis. Circumcised. Il dit s'il voulait mettre sa gloire. He said that if he wanted to put his glory dans les choses de la chair, in the things of the flesh, il allait citer quoi? What would he have quoted? Circoncis le huitième jour, c'est-à-dire il a fait exactement ce que la loi enseigne. Circumcised the eighth day, that is, he exactly did what il the est de la race d'Israël, of the stock of Israel. Il est de la tribu de Benjamin. He is of the tribe of Benjamin. Il est hébreu, né d'hébreu. He is pur sang. Hebrew of the Hebrews. Quant à la loi pharisien. And Pharisees according to the law. Quant aux zèles, il était parmi les zélés, les persécuteurs. Concerning zeal, he was among those who were zealous, the persecutors. Il était irréprochable. He was blameless. À l'égard de la justice de la loi. Concerning the righteousness of the law. Donc il pouvait citer ces choses pour s'enorgueillir. So he could have quoted all those things to pride himself. Il dit quand il a rencontré Jésus, he said that when he met Jesus, il a tout jeté. He cast all these things away. Il dit je ne dirai à personne que je suis hébreu né d'hébreu, ça c'est fini. Je ne suis rien. He said to himself that he will never tell anyone that he's a Hebrew, born from an Hebrew, and he's nothing. Irréprochable quant à la loi, il dit à partir de maintenant je veux m'appeler premier pécheur. Blameless concerning the law, but he says from now on I will call myself sinner. Je suis citoyen romain, je vais laisser, si on veut me frapper sans justice on frappe. I am a Roman citizen, but I will abandon this, put this aside. If they want to beat me, let them beat me.
C'est un travail que chaque frère doit faire pour avancer. It's a work that each brother must do for him to go forward. J'ai découvert. I've discovered que quand ceux qui ont la volonté veulent travailler dessus, those who are willing wants to work on this, ils passent le temps à confesser les péchés. They spend the times confessing sins. Parce qu'ils ne connaissent pas la frontière entre se dépouiller et se repentir. Because they do not know the frontier, the barrier between putting off and repenting. On ne traite pas avec les péchés au niveau du dépouillement. At the level of putting off, you don't treat with sins. Chacun doit payer le prix. Each one must pay the price. Pour que la question du péché soit réglée au niveau de la repentance. That the matter of sin be settled at the level of repentance. Et que la question de l'engagement vis-à-vis de Dieu soit réglée au niveau de la conversion. And that the question of the commitment toward God be settled at the level of conversion. La soumission à la volonté parfaite de Dieu. Submission to the perfect will of God. La soumission au règne de la parole de Jésus. Submission to the reign of the word of Jesus. Ça se règle à la conversion à Dieu. This is settled at the level of the conversion to God. Quand on abandonne les coutumes, when you abandon customs et les traditions, and traditions, pour se soumettre, to submit à la parole de celui qui vit éternellement, to the word of the one that lives eternally. C'est là qu'on parle de se convertir à Dieu. This is where you talk about getting converted to God. Si quelqu'un a raté la repentance, if somebody failed at the level of repentance, Il n'a pas encore atteint le niveau où il faut chercher à adorer le vrai Dieu. He has not even reached the level where you should seek to worship the true God. Il est encore dans les liens de la mort. He is still in the bondage of death. Quand on a abandonné les péchés, when you have abandoned sin, et qu'on veut commencer la course, and that you want to start the race, comme la parole dit, de courir avec persévérance, as the word says that you should run with perseverance. C'est là qu'on règle les problèmes de renoncer à tout et de se dépouiller. That's where you settle the matters of denying, renouncing everything and putting off. Quand on veut grandir dans la ressemblance avec Jésus, when you want to grow in a likeness with Jesus, c'est là qu'on parle de revêtir le caractère de Christ. That's where we talk about putting on the character of Christ. Pour être semblable à Christ. To be like Christ. Nous sommes donc, si nous avons obéi à la parole de Dieu, if we have obeyed the word of God, nous sommes au niveau où chacun doit se dépouiller de lui-même. We are at a level where each one must strip himself off, pour rendre l'obéissance possible, to make obedience possible. Si Jésus ne s'était pas dépouillé, if Jesus did not strip himself off, qui pouvait même l'arrêter? Who could even stop him? Voici quelqu'un, quand il demande, vous cherchez qui? Here is someone, when he asks, Who are you looking for? Quand les gens disent Jésus, when people say Jesus, tous tombent. All of them fall down. Ça veut dire que pour l'attraper, pour le saisir, il faut qu'il se donne. It means that for him to be caught, he must give himself. Qui cherchez-vous? Who are you seeking? Jésus. Jesus. Tout le monde tombe. Everybody down. Tu vas l'attacher quelle corde? Rape are you going to use to bind him? S'il ne s'était pas dépouillé, if he did not strip himself off, pour descendre, to come down, tu vas prendre quelle échelle? What ladder are you going to use? Pour aller au ciel là-bas, to go up to heaven. La Bible dit que quand il y avait le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. The Bible says that when there was flood on earth, God was sitting on his throne.
C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune inquiétude là-bas. Le trône est ferme. It means that there was no worry there. The throne is firm. Même si on brûle toute la terre. Even if all the earth is burned, et que la fumée monte, and that the smoke goes up, ça ne peut même pas traverser les nuages que nous voyons là. It cannot cross the clouds that we see. Quand Jésus descend, when Jesus comes down, il s'est dépouillé lui-même. He stripped himself off. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il s'est dépouillé lui-même. He stripped himself off. Si nous ne travaillons pas le dépouillement à notre niveau, if you don't work on stripping off at our level, il y aura toujours les problèmes dans les foyers. There will always be troubles in households. Il y aura toujours la cupidité, les égoïsmes. There will always be greed and selfishness. L'avarice. And stinginess. Parce qu'il n'y a pas eu de renoncement. Because there have not been any renouncing. Chacun s'accroche à ses droits. Each one hangs himself to his glory. Il y aura toujours des problèmes entre disciples et faiseurs de disciples. There will always troubles between disciple and disciple maker. Il y aura des astuces, des ruses. There will be cunnings and tricks. Pour dribbler l'autre. To dribble the other one. Pour dissimuler. To hide. Une certaine vie. A certain life. Il y aura toujours la poursuite des intérêts personnels. There will always be the pursuit of personal interests. J'avais un disciple. I used to have a disciple. Ses amis. His friends. Sont seulement les gens qui ont l'argent. Are only those who are rich. Je lui demande. I ask him. Pourquoi tous tes amis? Why, how come all your toi, friends? Tu n'as pas de pauvres. There's no one comme poor. Tous tes amis, ce sont les riches. Pourquoi? You do not have someone who is poor as a friend. All your friends are rich. Why? Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il y a la ruse. There is cunning. Certains conflits pour discuter les disciples, ce n'est pas le zèle, c'est la cupidité. There are some conflicts about arguing about the disciples. This is not greed. C'est les gains sordides. It is gain that is not good. Certaines visites, il y a des brebis non aucune visite, un an, 12 mois sans visite, mais certains sont même fatigués des visites. Some disciples or sheep do not receive any visit, but others are visited every day. And quand il y a le riz chez toi, on te rend visite tous les jours. When there is rice in your house, you are visited every day. C'est quoi? What does it mean? C'est le manque de dépouillement. It's the lack of stripping off. Intérêt personnel. Personal interest. C'est moi. Pourquoi? Why? On ne sait pas dépouiller soi-même. You did not strip yourself off. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous parles en vain. Pendant que tu veux qu'on marche avec toi, tu veux que nous soyons le modèle et tu as dit dans ta prophétie que le modèle viendra de la Côte d'Ivoire. Et nous acceptons, oh Dieu, le fait que tu nous dis que chaque frère doit se dépouiller pour embrasser la marche avec toi. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de comprendre cela d'une manière révélationnelle. Parce que ce que tu es en train de dire est très profond. Oh Seigneur, pendant que nous sommes en train de former des disciples, donne-nous, Seigneur, de nous dépouiller comme a fait les premières personnes dans l'œuvre, nos anciens que nous avons vus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, enlevez, Seigneur, le vieux manteau, enlevez, Seigneur, ce qui empêche de marcher avec toi.
Que chacun accepte le dépouillement, afin que le conflit dans le foyer, afin que, oh Dieu, le conflit entre les disciples et les vrais disciples cesse, Seigneur. Nous implorons ta grâce, oh Dieu. Accorde-nous cette faveur. Je, pour ma part, je prends l'engagement, Seigneur, de m'inscrire à cette école. Seigneur, permets que du nord au sud, à l'est, partout en Côte d'Ivoire, que chacun fasse la même chose en se dépouillant. Au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment, ô notre Dieu, de nous parler de la nécessité de se dépouiller. Seigneur, tu as dit que le vrai service commence quand on se dépouille de sa gloire. Et tu as dit que la direction spirituelle a besoin des gens qui se sont dépouillés eux-mêmes, Seigneur. Pardonne les conflits dans les foyers. Pardonne les conflits dans l'église. Pardonne les conflits entre disciples, faiseurs de disciples. À cause du refus de se dépouiller. Seigneur, pendant que tu parles, je dis oui, j'accepte, Seigneur, de me dépouiller. J'accepte d'entrer dans le dépouillement. J'accepte, Seigneur, de me dépouiller de mes privilèges. J'accepte de me dépouiller de mes droits. J'accepte de me dépouiller de tout ce que je crois comme que je crois être des biens, des richesses acquises qui me confèrent une certaine position, une certaine notoriété. Seigneur, j'accepte. J'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que pendant que tu parles, que chaque personne qui reçoit ce message, Seigneur, cède à ta parole, cède à ta volonté, accepte d'entrer volontairement dans le dépouillement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, notre Dieu Père. Merci de le Seigneur Jésus comme notre modèle de dépouillement. Et tu nous enseignes à travers le Seigneur que le dépouillement se fait volontaire. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Oh notre Dieu, un homme puissant, revêtu de gloire, de puissance, mais accepté de se rabaisser, d'enlever tous ses titres afin d'entrer dans l'obéissance. Si nous voulons rendre possible, il nous faut nous dépouiller. Et si je veux prendre la ressemblance à Christ, il me faut me dépouiller. Seigneur, j'accepte. J'accepte d'entrer à l'école du dépouillement. J'accepte de me dépouiller afin de grandir dans la ressemblance à Christ. Afin de rendre possible mon obéissance à Dieu. Ô Éternel, je prie Éternel notre Dieu que toute l'Église dans toute la nation, chaque frère s'inscrive à cette école afin que cesse, Seigneur, le fait de tourner en rond. Ô Éternel notre Dieu, afin que nous puissions constater la croissance dans le revêtement du caractère de Christ, afin que nous puissions grandir dans à Dieu, afin que cesse, Seigneur, les disputes, les conflits en un point fini. Je te supplie, aide-nous et donne à chacun de s'inscrire à cette école. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous notez ceci. Note this. L'amour propre est l'ennemi du vrai dépouillement. Loving oneself, the love of the self, is the enemy of stripping off. L'amour propre est l'ennemi du vrai dépouillement qui mène à la gloire. The love of the self is the enemy of the true stripping off that leads to glory. C'est la même chose avec l'amour du monde. It's the same thing as the love of the world. Le monde est caractérisé par la course, par la poursuite de la vanité, la poursuite du vent. The world is characterized by the pursuit of vanity, the pursuit of the wind. Le monde est caractérisé par la course à la vanité et la poursuite du vent. The world is characterized by the pursuit of vanity, the pursuit of
the wind. Cette course rend les hommes insensibles à la parole de Dieu. This race makes man insensitive to the word of God. C'est-à-dire que cette poursuite de la vanité rend les hommes insensibles à la parole de Dieu. That pursuit of vanity makes people insensitive to the word of God. Insensible à la volonté de Dieu. Insensitive to the will of God. Insensible au dessein éternel de Dieu. Insensitive to the eternal purpose of God. Vous notez ceci. Note this. Nous pouvons donc dire qu'il n'y a pas de vrai dépouillement sans réelle volonté de renoncer à tout. If there is no we can therefore say that there is no real stripping off without the will to deny all things. Pas de vrai dépouillement sans la volonté de renoncer à tout ce qu'on possède. There is no true stripping off without a true will to deny all that you possess, to renounce all that you possess. Donc tu renonces à tout ce que tu possèdes. So you renounce all that you possess. Et tu consacres ta vie à rechercher la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul, comme nous avons vu. And you devote your life to seek the glory of God alone, as we saw. Avant de parler de l'obéissance, before we talk about obedience, lis pour nous Philippiens chapitre 2 verset 5. Read for us Philippians chapter 2 verse 5. Chapitre 2 verset 1 à 8. Philippiens chapitre 2 verset 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 4. Retake verse 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Philippians 2, reading from verse 1 to 8. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Allez méditer dessus. Go and meditate on this. L'obéissance. Obedience. Vous notez ceci. Note this. L'obéissance est l'action de faire la volonté d'un autre. Obedience is the action of doing the will of another.
L'action de faire la volonté d'un autre. The action of fulfilling the will of another. Pour nous, il s'agit ici de la volonté de Dieu. As far as we are concerned, it's the will of God. Nous obéissons quand nous accomplissons, quand nous accomplissons la volonté de Dieu. When we fulfill the will of God, then we obey. Quand nous exécutons ses ordres. When we execute his order, his commands. Vous notez ceci. Note this. L'obéissance implique l'acte de celui qui fait ce qui est commandé. Obedience involves the act of the one who does what is commanded to him. C'est une autre manière de dire que l'obéissance suppose un ordre, un commandement. It's another way to say that obedience supposes a commandment, an order. Vous notez que l'obéissance spirituelle note that spiritual obedience ne suppose pas nécessairement la contrainte ni l'obligation de céder à quelqu'un. Does not necessarily supposes obligation or the constraint to yield to someone. Ou de céder à une quelconque force. Or to yield to any force. Notez ça très bien. Note it well. L'obéissance spirituelle. Spiritual obedience. C'est-à-dire l'obéissance d'un disciple, par exemple. That is, for example, the obedience of a disciple. Ne suppose pas nécessairement une contrainte. Does not necessarily suppose a constraint. Ni une obligation de céder à une certaine force. Nor an obligation to yield to a certain force. L'obéissance spirituelle va de pair avec la soumission. Obedience, a spiritual obedience goes together with submission. L'obéissance spirituelle va de pair avec la soumission, qui est la disposition à obéir à l'action par laquelle on se déclare prêt à accepter l'autorité. So spiritual obedience goes with the submission. C'est-à-dire l'obéissance spirituelle va de pair avec la soumission, qui est la disposition à obéir. And submission is the disposition to obey. Et l'action par laquelle on se déclare prêt à accepter l'autorité ou la domination. And the action whereby you declare that you are ready to accept the authority or domination. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Il peut y avoir soumission sans qu'aucun ordre ait été donné. There can be submission without any order that has been given. C'est-à-dire dans la soumission, dès qu'il y a une autorité, in submission, as soon as there is an authority, on reconnaît cette autorité. You recognize that authority. Sans qu'il y ait d'ordre, sans qu'il y ait de commandement. Without the fact of receiving commandments. Sans qu'on ait dit respecter cette autorité. Without, even though you've not been taught to respect an authority. C'est une disposition intérieure. It's an inner disposition. C'est-à-dire, tu te libères spontanément. That is, you spontaneously free yourself. Tu dis voici une autorité. You say, here is an authority. Mais l'obéissance, il faut qu'on te dise, ne touche pas. But obedience, you must be taught, don't touch this. Si tu obéis, tu es obéissant. If you obey, then you're obedient. Et on dit que les deux vont ensemble. S'il n'y a pas l'obéissance et la soumission, il n'y a rien. And we say that both go together. If there is no obedience and submission, then there is nothing. L'autorité suggère, donc informe. The authority
give informations and suggest. Quand tu vois une autorité, il y a un message intuitif, un message subliminal. Attention. When you see the authority, there is an intuitive message. Beware. Donc ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'ordre, mais en réalité l'ordre est subliminal. L'ordre t'habite, que respecte-le, ça t'habite. In fact, there is no order, but there is order because that order is in your mind. It dwells in you and it tells you beware, obey. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si quelqu'un te donne des informations, if someone gives you information, en réalité, il est en train de te commander. In fact, he's commanding you. On dit informer, c'est commander. He said that inform is to command. Si je dis les toilettes sont à ma gauche, and if I say the toilets are at my left, je suis en train de te dire, I'm telling you, si tu as un problème de toilette, va à ma gauche. If you have a question of toilet, go on my left. Informer, c'est commander. Informing is to command. Donc quand on ne maîtrise pas, ça donne l'impression que on s'est soumis spontanément. So when you don't master, it gives you the impression that you submitted yourself spontaneously. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'obéissance vraie. True obedience. Pour savoir que tu es obéissant, for you to know that you are obedient, il faut chercher dans ta vie, you must seek in your life, des choses que tu ne voulais pas faire, things that you did not want to do, et qu'on t'a dit de faire et tu as accepté, and you were told to do and you accepted, pour rentrer dans cette définition là, for you to get in this definition. Tu voulais aller où? Where did you want to go? Quand on t'a dit de ne pas aller, qu'est-ce que tu as fait? When you were told not to go, what did you do? Tu vas découvrir que tu es parti. You discovered that you went. Si tu ne voulais pas aller, if you did not want to go, et on te dit ne va pas, and you are told not to go, ça peut te tromper. This can deceive you. Tu peux croire que tu es obéissant. You can believe that you are obedient. La vérité c'est que ton désir est conforme à l'ordre. The truth is that your desire complies to is in compliance to the order. Nous devons apprendre à obéir comme Jésus. We must learn to obey as Jesus. La croix est devant Jésus. The cross is before Jesus. Et Jésus, and Jesus, sent la douleur. Feels the pain. Il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. He says that my soul is my soul is grieved up to death. Et il a pris ses disciples. And he took his disciples. Il dit venez avec moi. He said come with me. On va prier. We pray. Il dit Père. He said Father. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. If this cup could depart from me. Il ne veut pas. He didn't want. Il demande à son père. He asked his father. De l'éloigner si c'était possible. To take this cup far away from him if it was possible. Je suis prêt à faire ta volonté. And he says, I am ready to do your will. La volonté du père. The will of the father. C'est qu'il aille à la croix. Is for him to go on the cross. Qu'il souffre. That he suffers. Mais son désir. But his desire. C'est que le père. Is that the father. Éloigne cette coupe de lui. Takes this cup far away from him. Il est obéissant. He's obedient. Parce qu'il obéit contre sa personne. Because he obeys against his contre person. Son désir. Against his desire. Ça c'est l'obéissance coûteuse. This is a costly obedience. C'est pour ça que nous avons. C'est pour cette raison que nous avons parlé de l'obéissance de la souffrance. That's why we talked about obedience. Of suffering. Si on place le plat d'acheker devant toi. If they put a plate of acheker before you. Avec tous les condiments. With all the other things that are needed. Que tu apprécies. That you appreciate. On te dit rends grâce à Dieu et mange. And they say give thanks to God and eat. Tu obéis rapidement, Seigneur, je sanctifie ce repas, je bénis. You quickly obey and you say Lord, I sanctify this meal. Tu as obéi, n'est-ce pas? You obeyed, mais not so. Le problème c'est que
même si on ne te disait pas rends grâce et mange, tu allais commencer à rendre grâce. The problem is that even though you were not, they did not tell you to give thanks and eat, you will do it. Quand tu veux faire, when you want to do, et on te dit de faire, and they tell you to et do, et tu le fais, and you do it, on ne peut pas t'évaluer. You cannot be evaluated. They cannot assess you. On attend le jour. We wait for the day où ça sera amer. When it will become bitter. Tu es un Philistin, dit je vais t'épouser maintenant. A Philistine said I want to marry you now. La dot est dans mes poches. The dowry, the bride price is in my pocket. Et le dirigeant te dit non. And the leader says no. Si tu obéis, if you obey, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. That's what we call obedience. Viens, on mange. Come, let us eat. Tu n'attends même pas la deuxième fois. Tu es déjà. You do not even wait for the second time, and you are already there. On dit vraiment, il est obéissant. Regardez qu'on a dit. He's obedient. Il est parti sans résister. When I say come, he went without resistance. Tu ne voulais pas résister. You did not want to resist. Ce n'est pas ça l'obéissance. This is not obedience. L'obéissance t'attend. Obedience is waiting for you. À Gethsémané. At the level of at Gethsémané. Il y a des prières, il y a des choses tu veux que Dieu change. There are things you want God to change. Dieu refuse de changer. God refuses to change. Tu dis je veux quitter l'église. You say I'm going to leave the church. Pourquoi? Why? Ce n'est pas conforme à tes désirs. It is not in conformity with your desire. L'apôtre Paul a dit. Apostle Paul said. J'ai appris. I learn. On apprend l'obéissance. We learn obedience. L'obéissance spirituelle. Spiritual obedience. L'obéissance des disciples. The obedience of disciples. Est un apprentissage coûteux. It is a training, a learning that is costly. J'ai déjà vu des choses, j'ai dit à Dieu pardon, enlève ça. Dieu dit non. I've already seen things. I say, oh Lord, please remove this. He says no. Tu veux diminuer, Dieu dit tu ne diminues pas. You want to decrease, God says no. La chose est souvent très claire dans les transactions financières avec Dieu. This is clearer, generally it is clearer in the financial transactions with God. Si tu traverses des moments, if you are going through hardships, où tu es sous pression, where you are under pressure, et quelque chose te dit diminue, and something tells you decrease it, que tu donnes trop, that you give too much, tu te mets à genoux, you kneel down. Dieu te dit si tu parles encore, je vais dire d'augmenter. God says, if you speak again, I'll tell you to increase. Et tu rends grâce à Dieu. And you give thanks to God. C'est ça l'obéissance. This is obedience. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça, ce sont des doctrines qu'il ne faut pas oublier. These are doctrines that must not be forgotten. Si tu les oublies, if you forget them, tu vas te tromper. You will deceive yourself. Tu vas te séduire. You will deceive yourself. Il y a des gens qui disent, si tu vois quelque chose, faut me dire. Moi, faut me dire. Si tu me réprimandes là, vraiment, ça. Moi, j'aime quand je fais quelque chose, on me réprimande. There are people who say that if you see something, tell me. If you rebuke me, there's nothing. I like when you rebuke me. Il y avait une sœur parmi nous. There was a sister in our midst. On m'avait parlé d'elle. They talked to me about her. Je n'avais pas pris ça au sérieux. I did not take it earnestly. Et le Seigneur avait permis que quelque part je la vois à l'œuvre. And the Lord allowed that somewhere I saw her, I see her at work. Là, ce n'était plus le on dit. And at that level, it was not. I was told. Et je lui ai dit. And I told her. On m'avait dit telle chose. I was told such a thing. Je n'avais pas pris au sérieux. I did not take it earnestly. Regarde ce que tu fais. And here is what you are doing. Elle a fait 1 an et 5 mois sans me parler. She spent 1 year and 5 months. Elle, c'est elle-même qui a compté, hein? Without speaking to me. She's the one who counted.
Un an et cinq mois. 1 year and 5 months. Quelqu'un qui m'avait dit, si tu vois, tu me dis. Someone who said that if you see, you tell me. Et je me suis dit, si quelqu'un me dit. And I told myself that if someone tells me. Si tu vois, tu me dis là. If you see, tell me. Je ne veux pas me précipiter comme ça. I will not precipitate myself. Un an et cinq mois, frère, c'est beaucoup. 1 year and 5 months, brethren, it is a lot. La colère dans son cœur, la colère. Anger in her heart, anger. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre? Is there someone on this earth? Qui peut te dire arrête, tu arrêtes? Who can tell you stop and you stop? C'est la deuxième question. This is the second question. La première, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne voulais pas faire? The first, cite même une chose, deux, trois. The first question is there something that you did not want to do? Can you can quote even two or three? S'il y en a, rends grâce à Dieu, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. If there exist such things, then give thanks to the Lord, that's what we call obedience. Et ne rétrograde pas. And do not backslide. On ne peut pas glorifier Satan en disant qu'il n'y a personne qui a fait ça. Non, non, non. Il y en a qui ont expérimenté cette obéissance-là. La prière à Dieu, c'est qu'il ne rétrograde jamais. We cannot glorify Satan saying that there's no one who did this. There are so many here who did it. But my prayer to God is for them never to backslide. Si tu as fait pour certaines choses, if et que tu as raté pour d'autres, prends l'engagement que tu ne rateras plus. If you did it for some things and you failed for others, take the commitment that you will no more fail. Ce sont ceux qui acceptent cette obéissance qui portent la croix chaque jour. It is those who accept that obedience who bear the cross every day. Quelqu'un t'offense. Someone offends you. Offends you. On te dit faut pardonner. And they tell you to forgive. Quand tout ton être gémit, when all your being groans, tu veux te venger, you want to avenge yourself. Et un frère vient te dire, and a brother comes and tell you, arrête, stop. Et tu arrêtes comme un bébé. And you stop as a baby. Tu es grand. You are great. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. That's what we call obedience. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dans le ministère pastoral. In a pastoral ministry. Quand j'ai rendu beaucoup ministères. When I was rendering, giving many ministries. J'avais réalisé que certaines personnes sont difficiles à mener à la repentance. I realized that some people, it is difficult to bring some people to repentance. Donc, quand je commence très haut. When I start at a high level. Je dis frère, arrête, Dieu n'aime pas ça. I say brother, stop, God does not like this. Si tu ne comprends pas. If you don't understand. Je descends. I come down. Je dis frère. Say brother. Les frères. The brethren. Pensent que tu es charnel. Think that you are carnal. Ils sont au courant. He said, oh, they know this. Non, j'arrête. I stop. C'est-à-dire, je passe par le moi. So pour calmer. Ce n'est pas que c'est fini. C'est pour calmer le moi. I go through, que les frères sont au courant. I go through the self to calm, to cool it down. Not to stop. That the brethren know. Parce que beaucoup de personnes, because many people, veulent qu'on pense qu'elles sont grandes dans la foi. Want people to think that they are great in the faith. Ils peuvent manipuler les comptes rendus. They can manipulate the accounts. Nous sommes allés dans un pays. We went into a country. Il y a un frère qui était secrétaire d'un missionnaire. There's a brother who was the secretary of a missionary. Il dit, le gars vient, il dit, ajoute les chiffres ici. He said, the guy comes and say, add here, add this. Le jeune homme lui dit que non, c'est pas bien. Il dit, ajoute. The young man said, no, it's not good. He said, no, add. Tu entends les milliers d'heures de prières. You hear
thousands of hours of prayer. Pas des cathos, je dis nous. I'm not talking about the Catholic, I say we. Ajoute. Add. Pourquoi? Pour épater. Just to amaze people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais comme Dieu est bon. But as God is good. Où est ce missionnaire? Where is that missionary? Dieu l'a enlevé. God took him away. Il a donné le poste à un autre. And gave the post to another one. Et nous savons déjà comment les comptes rendus étaient confectionnés. And we already know how the accounts were carried out. Sois un homme de lumière. Be a man of light. Sois une femme de lumière. Be a woman of light. Apprends. Learn. À être content. To be content. De l'état dans lequel tu te trouves. Of the condition in which you find yourself. Apprends à obéir. Learn to obey. En allant même à la croix. Even going onto the cross. Pour mourir. To die. Une mort infâme. Une mort d'humiliation. Of a death of humiliation. De rejet. Of rejection. De mépris. Of despise. C'est ça l'obéissance. This is obedience. Des disciples. Of the disciple. C'est pour cette raison. That's why. Qu'au jour des grandes récompenses. On the day of the great rewards. Le Seigneur va essuyer les larmes de nos yeux. The Lord is going to clean our tears. Ça c'est l'obéissance qui a fait que Jésus passe le temps à crier avec larmes. This is the obedience that brought Jesus to cry out with tears. La Bible dit qu'il criait avec larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. The Bible says that he cried out with tears to the one who could deliver him from death. La mort est une réalité. Death is a reality. Tu verras qu'à un certain âge, you see that at a certain age, quand l'idée de la mort te traverse, when the idea of death comes into your mind, des terribles impressions traversent ton âme. Terrible impressions cross your soul. Avant de dire non, je ne mourrai pas, Before saying that no, I will not die. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout et let us stand on our feet and pray. Prions que le Seigneur trouve en nous. Let us pray that the Lord finds in us ce type d'obéissance. That type of obedience. Ce type de dépouillement. That type of stripping off. Qui trouve en nous. That he finds in us des hommes et des femmes, men and women, qui peuvent penser aux autres, who can think of others, qui cherchent les qui poursuivent les intérêts des autres, who pursue the interests of the others, qui regardent les autres comme étant supérieurs, who consider the others as superior, better than them. Vous savez, pour qu'un dirigeant écoute les suggestions des autres, you know, for a leader to listen to the suggestions of the others, il lui faut le dépouillement. He needs putting off. Il faut qu'il sache que les autres, he must know that the others, ont aussi l'esprit. Also possess the spirit. Même ton disciple, even your disciple, peut te donner un conseil. Can give you an advice. Même quand tu prophétise sur quelqu'un. Even when you prophesy on someone, garde certaines choses. Keep some things. Tu te dis, je suis un être humain. If you say that I am a human being, tu te donnes 25% de marge d'erreur. You give yourself 25% of error. Tu auras un ministère sans faute. You'll have a ministry without. Et Dieu aura toujours pitié de toi. And God will always mercy you. Dieu aime quand on sait qu'on n'est rien. God loves when you know you recognize that you are nothing. Dieu aime quand on a peur de se tromper. God loves to see you when you are afraid to
to make a mistake. Ça permet de s'accrocher. It allows you to cling to the Lord. Et ça rend reconnaissant quand il nous vient en aide. And when he helps you, you are grateful. Prions ensemble. Let us pray together. Oh Père. Oh Père, que ta grâce repose sur nous. Que cette intelligence nous soit donnée. Cette capacité divine de se dépouiller soi-même. De renoncer à tout. De regarder les autres comme étant supérieurs, d'obéir contre nos aspirations, d'obéir contre nos frayeurs, parce que nous voulons faire ta volonté et que nous voulons faire ta volonté seule. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.